et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre tout en sachant qu'il devait y servir. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. 8. Blaise Goumou. Pour avoir au stade du 28 septembre environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Barry et plusieurs autres, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustraire des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206, 208, 268, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 9. Ibrahim Camara dit Calonzo. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Barry et plusieurs autres, volontairement porter des coups et faire des blessures, ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, même circonstances de lieu et de temps, volontairement porter des coups et faire des blessures, ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur la personne des manifestants. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 309, 239 et suivants, 297 et 298 du Code pénal. 12. Sambaru Diamankan. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Kalea des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'il devait y servir. Fait prévu et puni par les dispositions de l'article 19, 20, des articles 19, 20 et 848 du Code pénal. 13. Mamadouba Toto Camara. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer aux meurtres et assassinats commis au stade du 28 septembre et aux alentours. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestrations des manifestants. En pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée s'il est suscité. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 303,
373, 381, 382, 297 et 298 du Code pénal. Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010, ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la junte, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. Les jours suivants, ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry. Des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, deux commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Thiéboro Camara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 à côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambeto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine Terrasse, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de sursoir à leur mot d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute Le Prince jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter. Mais M. Sidya Touré a répliqué en ces termes: on est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro, et que juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Tumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade,
pour ne pas se faire tirer dessus, mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Sélou d'Alain Diallo avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Sélou d'Alain Diallo, Bahouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des bérets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Camara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Camara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Kalea. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. 2. Le capitaine Marcel Guilavogui, lors de sa première comparution devant le tribunal, a refuté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que les événements du 28 septembre 2009 sont survenus au moment où il était alité suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture. Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique Ambroise Paré et, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Camara lors du voyage de l'abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tous ceux qui déclarent l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique de type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. À l'audience du 10 juin 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais, au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité dit Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Camara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant les mutineries militaires au camp Samori Touré de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Camara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivi pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu Lansana Conté dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu général Lansana Conté, il était à domicile lorsque Kareka, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Camara, l'a informé de ce décès.
Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président Lansana Conté, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès. C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubacar Diakité dit Toumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Camara. Il ajoute que certes, Keleti Gifaro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé, c'était bel et bien Aboubacar Diakité dit Toumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubacar Diakité dit Toumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Camara de rentrer à son domicile, Sise, à Lambagny pour se préparer à les rejoindre au camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ces velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubacar Diakité dit Toumba qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle puisqu'elle était composée de la garde rapprochée mais aussi de la garde éloignée chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdor Ba et Sa Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara lui-même et depuis lors, il n'avait pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers capitaine Moussa Dadis Camara à Sonfonia où Aboubacar Diakité dit Toumba, Mohamed Kondé dit Escobar, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Camara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement à la garde rapprochée, précise-t-il, commandée par Aboubacar Diakité dit Toumba, capitaine Moussa Dadis Camara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Makamboloa, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kalea, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Camara et Beugré, alors commandant du camp Koundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kalea à la présidence sous la direction du nommé Joseph Makamboloa. Il affirme qu'en clair, le général Sékouba Konaté n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009, que capitaine Moussa Dadis Camara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien à Conakry, puisque sur instruction du général Sékouba Konaté, Aboubacar Diakité dit Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Toma avait organisée à l'honneur du capitaine susnommé. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon Moussa Dadis Camara, très en colère, en s'adressant à sa garde parallèle dans un ton menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est, de son plein gré, rendu dans la chambre d'Aboubacar Diakité dit Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Camara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubacar Diakité dit Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Camara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour Panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrahima Sori, Ousmane Souma, dit tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Sforomo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance
un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans l'enceinte du stade, la première personne qui l'a reconnu, informe-t-il, c'était Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser, mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kiégoro Camara et Aboubakar Diakité dit Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué au premier qu'il voulait arrêter. Et lorsque les hommes de celui-ci ont tenté de riposter, il a menacé de dégoupiller sa grenade. Il informe qu'Aboubakar Diakité dit Toumba est descendu en ce moment de sa voiture pour l'en dissuader, puis il s'est rembarqué dans son véhicule en direction de la gendarmerie avant de rejoindre le camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que dès le départ d'Aboubakar Diakité dit Toumba, il l'a suivi. Il affirme qu'avant les événements du 28 septembre, il était simple garde au niveau de la présidence et qu'il n'y avait jamais eu de mauvais rapport entre commandant Aboubakar Diakité et lui durant toute la transition. Il insiste que la présence d'une troupe venue du camp Kalia est bien une réalité, car quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009, celle-ci était présente au camp Alpha Yaya Diallo et entretenue par feu Joseph Makambo Loa sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Il précise que c'est constant que s'il disposait d'une troupe, telle que soutenue par certains, il ne serait jamais rentré au camp.